le système de santé, il est soumis à des bouleversements qui sont nombreux et qui sont profonds. On voit bien qu'on a glissé progressivement d'un besoin assurantiel assez classique. J'ai un risque, je l'assure. Il se produit, j'ai une compagnie d'assurance qui intervient, à une démarche différente qui était d'abord de définir ces risques, de les cerner, d'essayer de les éviter par une action anticipée, par un travail de fond avec les acteurs du soin. Et Reliance a apporté énormément à la matière par la connaissance fine que ces équipes avaient, par le système d'information mis en place, par la matière qui était celle maîtrisée par Reliance, par CHAM en l'espèce, pour bien décrire ce parcours de soins, bien décrire les risques, bien décrire la formation de ces risques. Après cette période-là, on est entré dans une nouvelle période, il y a maintenant, je dirais, 3 à 4 ans, qui est celle de la data, pour faire simple, vraiment. C'est-à-dire que les systèmes d'information qui entourent ceux des hôpitaux, et j'imagine que c'est la même chose dans le secteur des collectivités territoriales, nous apportent une matière vraiment précieuse pour bien connaître, mieux connaître encore, je vais le dire comme ça, la formation du risque et encore une fois chercher à l'éviter avant qu'il ne se produise. Et donc, la démarche dans laquelle le groupe s'est lancé, les initiatives qu'il a prises, les investissements qu'il a fait aussi en collaborant avec des startups, c'est de travailler à la meilleure connaissance des risques au travers de cette donnée pour toujours plus les sécuriser et donc donner de la garantie de continuité aux établissements et puis à la performance de leur organisation.